présente si vous n'étiez pas là. Patrick Grand-Péré, vous pouvez applaudir. Alors, on enchaîne après l'Enfant Lion. Maître des éléphants, c'est chronologiquement comme ça que les films sont arrivés. Après l'Enfant Lion, tu as ce projet du Maître des éléphants. Non, je n'ai pas eu de projet, c'est les producteurs n'ont aucune imagination. Ils sont faits bien et intéressés. Bon, j'ai appuyé pour faire un film. Après l'Enfant Lion, vous savez, quand j'ai un film, le producteur a dit, tiens, on peut voir d'autres projets. Pareil. J'ai eu, c'est le même auteur, prodigio. Ce qui fait que voilà, j'ai enchaîné. Bon. C'était une commande, en fait. 100%. Mm. C'est aussi pour ça que le film est un peu bâtard aussi. Parce que, normalement, c'est l'histoire d'un petit garçon tout seul. Là, c'est un peu l'histoire d'un père et de son fils. Parce que j'avais une vedette. Ça devait être de battu. Mais Gérard, qui tournait avec le garçon avec lui après là. Et donc, il m'a fallu que je. Pour ça, j'ai fait la connaissance du tout. J'étais content de me rencontrer. Et ça s'est fait comme ça, simplement. Et c'était la première fois. C'était après vous êtes. On s'est rencontré chez. C'est Armédia qui a arrangé le truc, je suis producteur. Armédia qui a. Mais en même temps, c'est un film que je dis à mon fils Martin qui est là. C'est pour ça que de toute façon, ça peut pas Martin en film. Il aurait dû jouer dedans en plus. Bon. D'accord. Ça, Jacques. Bon. Eh ben, on va regarder. Ah oui, ils sont. C'est pas obligé, hein. Bon, tout à l'heure. Merci, Patrick. Je suis dehors, si jamais vous avez des questions, des remarques, même des obligeantes. Dehors. Et tout à l'heure, on se retrouve pour court-circuit, à 20h, avec Yann Dedé aussi. Oui. C'est autre chose. Oui, c'est ton premier film. Oui. On finit à chambouler un peu l'ordre. Merci d'être là. Merci. Merci. Thank you.